Eh bien, je vous prépare une troisième édition des Sommets du Digital. On a déjà les dates, c'est le 5, 6 et 7 février 2018, toujours à la Clusaz, on y tient, avec plein de nouveautés. Alors déjà, ça sera un événement franco-suisse, puisqu'on va l'organiser, donc c'est toujours Édition Kawa qui l'organise, avec toute mon équipe, mais c'est aussi cette année la Suisse qui vient avec nous, avec Alpes ICT, qui va nous amener des speakers suisses, de l'innovation suisse, des participants suisses, donc qui va élargir un petit peu l'événement. Et puis on a gardé la meilleure formule, c'est-à-dire beaucoup plus de convivialité, des conférences au top, sur tous les sujets qui nous passionnent actuellement, là, sur la transformation en général, mais aussi l'intelligence artificielle, les nouveaux besoins des consommateurs, les nouveaux business models, tout ce qu'il faut un petit peu savoir, mais dans un axe un petit peu différent, avec des formats courts, des formats rythmés, et aussi beaucoup d'activités networking, parce que pour nous, l'essentiel, c'est de participer pendant 3 jours, parce que c'est long de finalement de prendre 3 jours dans un emploi du temps, mais ça vaut le coup, parce que pendant 3 jours, on sera à peu près 330, c'est la taille maxi, on sera 330, on va échanger tout le temps sur nos retours d'expérience, sur les bonnes et les mauvaises, sur nos craintes, sur nos bons plans, etc. etc. Et c'est l'humain qui revient au sens du digital, et on y tient beaucoup. Et puis aussi, il y a une grosse nouveauté. On a eu beaucoup de demandes cette année. Il y en avait quelques-uns qui sont venus. C'est par exemple des comités de direction d'entreprise qui veulent venir en fait pendant 3 jours avec leur équipe. Plutôt que de faire un événement de leur côté en faisant venir un ou deux speakers, là, il y a 40 ou 50 speakers. Il y a des gens, on peut s'ouvrir. C'est pas que dans notre propre écosystème, c'est un peu plus large. On va faire aussi un petit peu des activités donc de networking, comme du ski, comme de la luge, des soirées juste extraordinaires et dans le cadre fabuleux de la Clusaz. Voilà. Donc on est reparti à fond, une équipe étoffée et plein de belles surprises qui arrivent, qui vont être dévoilées au fur et à mesure des mois et des semaines qui vont arriver. Suivez-nous parce qu'il va y avoir des belles choses.